on a vu sur Gitoukou dans la Bino, dernier virage, votre émission. Merci en tout cas. La Bino, c'est pour la Bino, pour ça, la confiance de l'émission, le tout à l'heure, sur le nom. La plateau, on est aussi, bon, mais ça n'est pas. La plateau, la Bino, on a un bisou sur. Pour la Bino, on est comme Blaise, mon amant, tout ce que je suis, mais ça là. Tout ça, déjà, l'émission, moi, Mingi, ça fait deux, déjà, je crois. Non, c'est les trois émissions, hein, je pense. Voilà, ça, donc, c'est déjà ça, donc. Bah, dans la ligue, mais ça là, je crois qu'il va devoir réagir. Moi, par rapport à l'émission de la ligue, ça là. Les lots sous le plateau, comme ils ont toujours avec thème, les lots de Colombie, sur notion donc de la mort, il y a l'Iwa. L'Iwa, les anini, l'Iwa spirituel, l'Iwa physique. Tu me retournes à l'émission, on a vu son bot d'abord, Blaise. Mbote papa, Limi, Ape, Mbote Nabande Konyon, ce balandaka, dernier virage. Partout dans Moukili, en Afrique, en Asie, en Amérique. Tope sibino lo sako bisika banso bolanda kabiso papa limia ngape na sepeli ni komona yo santé malamu voilà. Ba attaque ya bande ko na biso na monique e affecté yote na sepeli donc merci beaucoup. Voilà, donc comme le principe est monsieur Zalaga, je crois que tu remets un peu qu'on introduit mon mouquet par rapport à tes moyens à préparer les lots et puis après nous tirer le plateau. On va un peu côté sur la notion donc il y a l'Iwa, il y a mort parce que oui, l'Iwa. Ils allaient inévitable, mais ils allaient après les allaient à la comprendre la quatrième émission de Bisso. Alors, mais Blaise, n'a évité avant peut-être tout compte la tête, mais tout ce qu'on a une émission où il est kaki. Le blague sur Adam et Eve, le bien Adam et Eve, bâtir la coexistence, je crois que Batomi va se tourner qui n'a pas, le bien en métaphore, et puis bon, péché Adam et Eve, l'accès Bisso péché à Ngolo Balini. Alors, par rapport à cette notion, il y a Adam et Eve, tant que nous avons existé, les rebelles ont réagi, je crois qu'ils ont un peu répondu, ils ont dit sur YouTube. Mais le fait de nier l'existence d'Adam et Eve, c'est comme si on allait remettre en cause la personnalité historique et presque tout le monde dans la Bible. Parce que Adam et Eve, Abouabota, Kayena, Abel, tout ça, nous avons suite une logique, nous avons suite dans la métaphore. Le local, par rapport d'abord, il y a une réaction à Batou, dans le Bango. Alors nous coupons ça par rapport à ce que l'on bague déjà. Merci papa Limia. Bande koba simibali bazako landa biso. Il faut toyer ba. Nga nazali un chrétien. Bande ko nazali chrétien vacciné. Donc enseignement nyoso oyo ya réveil spirituel. Naza vacciné na ngou papa Limia. T'as vu vacciné ça veut dire. Donc c'est à dire na landa bilo ko na nyoso na yemi. Donc bande ko oyo bazako ya. En tout cas il faut baza la penza ba lié ba tondi quoi. Parce que Bible na yebi yango na tanga yango plusieurs fois donc na yebi ba contour nyonso oza na kati na Bible donc papa Limia omoni likambu ya Adam na Eve et consolo akaba chrétien parce que la fausseté oyo ba pesa ki na kati évangile oyo toza na yango la fausseté pas pourquoi parce que on a présenté la grâce de Dieu comme une sorte de passivité et pas à chrétien. C'est-à-dire que papa lui maillot au salaire sur ce logoté, Jésus-Christ a déjà tout payé, alors que comme on a bateau battant là qui pas dit que ça sur ce logoté, mais c'est par rapport à comportement là également parce qu'il y a quand même des recommandations dans ba za au Saint-Gabriel sur le salaire logoté. Mais justement, donc c'est tout ça, ça prête à la confusion. Oui. Entre-temps, vous dites aux gens que yo, vous avez le côté parce que Jésus a déjà tout fait. Donc, et si Kanayo et tout ça. Alors, aux hommes, on a la même chose dans la Ève. Au moins, par rapport à la notion, il y a hérédité, il y a péché. On va dire que, donc, biso to sumuka kite, to zakaka. Ba victime ya li soumou oyo Adam na Eve ba salaki péché adamique. Or au moment là que dans la même Bible ba lobi l'âme qui pêche c'est elle qui mourra. Donc Adam ko kite a soumouka et que yo oya ko subir ba conséquence na yango. Non, donc mouto ko na Bible ba komi noir sur blanc ce qui c'est le papa qui a péché, yemoko ako koufa. Donc bandeko oyo omoni bazali ya ko situkana nini wana tout ça. Bon, maintenant même si tu lobi que Adam na Eve ba exista comme ba individu. Par rapport ya notion ya péché et sengeli ya kuyeba ete chacun est responsable de ses péchés.
oyo azali ya kosala. Mais tokubuzonga kana kati ya même Bible ana totali saki ete balobi di Kayen ba bitango akena mitelengano na ye il s'est marié avec une autre femme. Et cette femme là qui n'était pas mwana o ba yusi biso ke abimaki na les personnages o ba pesi na métaphore. Ah bango ba botaki. Bon, le col à bango, ma lingito qui n'est pas écriture, écriture. Moi, je suis un écritologue. Bon, et comment m'y appliquer Adam et Eve, parce que Balobi qui Adam et Eve, Botaki, après la mort, y a Nani, après la mort, y a Abel, Botaki, moi, nous, Bengi, et 7. Et 7 aussi, Aïe, la progéniture, et tout ça. Mais, on ne nous dit pas que, avant même Babota, et 7, Kaye, si Kakendaki, a balé. Donc ozo mona ke yango totozo loba dans nyonso wana la vérité photo lukango na la cohérence la vérité photo lukango dans la logique. Quand les choses ne sont pas logiques, il y a une cohérence mon côté ezali na kati wana. Non, il faut yako bima na kati ya ba nini wana. Donc ekoki kozala ndenga na tiango zo mona na kamwe to pesi tout un enseignement sur les péchés ndenge nini kota ki na mukili ndenge nini ko koma péché héréditaire et tout ça ba conséquence ya péché momoni ba ba telemi kaka sur beaucoup plus sur l'aspect et Adam na Eve ba lobi ke non le kola yo ondimi Adam na Eve te izanetike o wangani Bible. Non, ngai ce qui m'intéresse c'est la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Et je ne vous cesserai pas de vous dire que la Bible, comme tout livre, a été donné à l'humanité, Papa Limia, quand l'humanité est devenue défaillante. Défaillante, c'est-à-dire quand il n'était plus capable de se connecter à la source de la connaissance qui est Dieu. Il y a un peu de temps, 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 il y a ce qui est à l'ébisso que j'ai pensé sur la question, les nzela wana qui est à la travaux, ma kangiango. Mais mouta ebi nzela ebisso papa limia landangai, on peut partir par là et on va retrouver et la destination ebisso. Donc, ma chrétien baza l'élone timout oyo, azo tambola, naso yamai, parce qu'il n'avait plus la connexion avec la régie des eaux. Mais mouta za la connexion à la régie des eaux, soka fungoli robinet de l'eau qui m'a habité où ils ont maïté. Pour na emma, il faut zaka na kati ya cantine. Non, bandeko. Donc, papa Limia, Adam et Eve, bah, exista te. Descendance, donc, on peut caler. Caïen, Abel, tout ça là, non, jamais existé aussi. La suite aussi, hein, parce que les personnes n'ont pas existé. Bon, bah, la lipe va exister te. Non. La descendance. Oui. Il y a Adam na Eve en tant que des personnages au bazali qu'on représentait esprit d'espèce adamique ou bauta qui na jardin d'Eden espèce adamique ils ont eu toute une descendance au moni et na descendance wana nde bazo la kisake ba tunyo so ba bimaki wana et tout ça ba Moïse ba nani ba Abraham et tout ça ba utaki wana c'est plus dans ces sens là et dire que mukili mobimba et utika na mutu moko na mwasi moko na Caïn Abel aussi c'est aussi la métaphore. Caïn Abel ezali pe une métaphore voilà. Bon, en fait, il y a un sujet, Moko. Bon, on va peut-être revenir sur ça, mais là, c'est le buso. Il y a les lotés, mais bon, voilà. Donc, tout pousse la même la carte. Il y a émission, la buso. Bah, tu vas redébattre toujours. Bah, tu vas revenir toujours sur ça. Je crois que ça sera. Ils vont revenir toujours sur ça. Au moni, autour de Caïn Abel, est-ce qu'ils ont toujours les métaphores? Caïn Abel, c'est toujours les métaphores où il y a dans le Nouveau Testament, il y a ivré avec les blés. Oui. Ce qui va comprendre le mystère, il y a ivré na blé, va comprendre aussi le mystère où il y a Caïn Abel. C'est-à-dire que il y a Moutou Oyo, Abimaki na jardin d'Eden, il y avait les Caïn. Quand on dit l'enfant, c'est ce qui vient d'eux, ce qui vient de toi. Donc, Batouana. Bazalaki na kati na bango na Caïn Abel mais Caïn
aye ko dominer Abel, aye ko boma Abel. Mabe e koti na kati ya mukili. Parce que le mal a dominé sur le bien. Au moni abre de connaissance du bien et du mal. Donc, tant au baki déséquilibre, ou e kota ki, c'est-à-dire que le mal a commencé à dominer. Yango gomona aussi, dans le Nouveau Testament, balobi, dans les champs que Dieu a plantés, il y a l'ivraie et le blé. Mais tu ne peux pas enlever l'ivraie aussi longtemps que le processus y a maturation et alina nous en cours. Oui. Parce que soko longoli ivre, c'est-à-dire tu arrêtes aussi le processus y a maturation. Donc yango mona balobi pe na kayen muta koki ko boma kayen azalite. Ezali ma bombi samelo, oyo lelo otokoki ya kufungola yango. Donc bandeko totanga liloba na Nzambe na intellect te. Totanga liloba na Nzambe na esprit ndenge Jésus-Christ azaro loba, les paroles que je vous dis sont esprit et vie et ce n'est que spirituellement qu'il faut chercher à les saisir. Donc voilà papa Alimia. Voilà. Tout kangi parenthèse par rapport à l'émission où les quatre ans l'émission sur l'élo, donc notion de la mort. Liwa ou le blabiso l'élo, l'émission sur l'élo ou le blabiso l'élo physique ou spirituel parce que bah distinguer quand même l'élo mi baléwana physique et spirituel l'élo vous allez faire sur vous se baser sur quoi. Merci papa Alimia. Oui. Bande cognon sur balandi dernier virage donc tout le blabiso na sur le plan général. Parce que Batalisa Kibiso était la mort est entrée dans l'humanité à cause du péché Adam et Ève. Et de quelle mort, c'est-à-dire nenge batu awana mukili lelo bazali yaku bazako ufa balobi tezali conséquence ya péché. Donc comme pour dire que ceux qui péché kota raté batu bangaki ba vivra ka éternellement avec ses corps. Donc ici toza kuya ku là qui ça était c'est faux et archi faux que la mort physique au batbazali kokufa na kati na mukili n'a jamais été et ne sera jamais la conséquence du péché mais c'est une mort qui est naturelle qui dit naturelle cela s'applique seulement na ba loi où ils a corriger la matière qui constitue le corps physique. Dieu a créé l'homme bidimensionnel, il a créé l'homme d'abord esprit mais il a revêtu aussi de la chair. La chair n'est pas éternelle. Et la loi qui régit la matière qui compose cette chair dit que toute matière, elle naît, elle grandit, elle vit, elle arrive à maturité, elle vieillit et puis elle se décompose. Et puis elle se renouvelle encore. Donc c'est que la matière est allée éternelle, mais la matière en soi n'est pas éternelle. Donc tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout temps amuke awa papa Limia au moment net awa na kati ya psaume na 90 na mona kiango awa verset 3 tala David alobi tu fais retourner les hommes dans la poussière. Donc c'est Dieu qui fait retourner les hommes dans la poussière, ce n'est pas le péché au moni. Donc soko tangi pe na Ecclésiaste na 12 verset 9 au moment na Balobi, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Omoni, donc la mort, papa Alimia, oyo bazali kokufa na kati na mukili. Donc la mort, il y a corps, oyo, il y a physique, ezali naturel kolandisa kaka application ya ba loi où ils ont qu'au régir matière où ils ont qu'au composer nzoto oyo bato balati na katikati na mukili ao. Mais la mort oyo ils ont qu'au produire les péchés comme la conséquence ils allient une mort spirituelle et de laquelle mort est réservée à tout homme d'en mourir que une seule fois comme c'est écrit na kati ya Bible. Voilà. Et cette mort là intervient à fin ya cycle au moni et pesameli mutupo ayeba ko ya koeba ko évoluer. C'est là où Jésus-Christ se disait na kati ya ya parabole ya 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 figuier que il est venu voir le figuier atali il y avait pas de fruits. Donc le temps o ba pesa ki figuier comme nanu esila kite balobi ba kata figuier habité
il a prié encore le père habito tikana no figuier tout tiango encore des fumiers peut-être jusqu'à la fin ya cycle na yango ça peut produire encore les fruits. Si ça produit plus les fruits, eh bien, selon les lois en matière, donc nous autres nango ekozonga na mabele, mais l'âme ou ezali la personnalité spirituelle qui doit produire ce figuier ou tout cet arbre ou ezali à l'image ya obiso tozobenga âme ya mutu ya ngonde ko kende soit enfer soit ko kende na kati ya paradis. Voilà, au fond, quand même, ma casse mingi, mais quand même, quand même, au plateau, ou mais quand même, côté à plus par rapport à nous, comme tout ça, là, toujours dans le principe de mission d'Abisso, et puis on revient tout juste après. Merci, Papa Libia. Bandeko Balandi, il y a dernier virage, Bissikanyo Soboza Kolanda Abisso, encore une fois. Tondi bino matondo pona disponibilité oyo bozala kana yango ya kolanda kaba émission oyo ya refondation des notions chrétiennes elongo na papa Alimia. Donc bande ko lelo to kolobela na tina ya mort. Donc évangile o tozali komema ya fils de l'homme ezali évangile o Jésus-Christ alobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et pour parvenir à la connaissance, il faut que à chaque fois qu'on nous parle de quelque chose, nous devons toujours savoir de quoi on parle, importance na yango et puis ndenge nini lokwana et salamelaka. Pour que bako kako andoctriné biso lisusu te ndenge ba andoctriné biso plus de 2000 ans lelo oyo et au lieu de servir Dieu nous nous retrouvons à servir des hommes tala makambu oyo ezali kopé sa passe mingi na mutema. Donc nous allons voir cette émission en se posant des questions essentielles oyo ezali que nous parlons de la mort. La mort c'est quoi et l'importance ya mort wana. Hein, la mort et la kisinini. Et puis, tout ce qui s'appelle Narotala maintenant, comment est-ce que nous devons aborder cette notion de la mort ou cette réalité de la mort. Donc, sans plus tarder, Bandeko, et Sengelito va être, quand on nous parle de la mort c'est naître dans l'au-delà. La mort c'est naître dans l'au-delà. Et ali cheminement, il y a âme. Il y a Moutou Oyo Ezali qui chemine vers sa patrie, vers son salut éternel, Oyo Ezali, le paradis. Au moni Batumingi Bakanisi était quand quelqu'un awa abalobi akufi, donc Mbala Moko pouf, akei soit na Lola, tout soit akei na Lifelo. Non, que ça soit kokenda na Lola, que ça soit kokenda na Lifelo, Ezali tout un cheminement. Donc tous les kanaka n'a pas plan, c'est que la Bible dit et que chacun doit d'abord aller dans cet espace qu'on appelle le séjour des morts pour récolter ce qu'il a semé. Hein, Jésus-Christ disait, ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Si pas ici sur la terre, dans les siècles futurs, donc c'est-à-dire quand il va passer de l'autre côté, à quoi moissonner. En Bible, le Bible sous était nos œuvres nous précèdent. Na au-delà donc tango tukufaka awa mutu na mutu akendaka koyeba bongo ko confronter ba œuvre oyoyé a produire ki awa ezala na ba pensée na kati na ba sentiment na ye pe na kati na ba acte na ye. Donc bandeko ezali très important ya koyeba eloko wana tozali ki koloba ete la mort ezali naître dans l'au-delà, c'est la porte qui s'ouvre à nous dans l'au-delà pour que tout yeba na ko chemine. Donc la naissance ezali naître dans la en dessa. Nous voulons vous dire que la mort comme la naissance ezali deux phases pour retenir ba moana deux phases très importantes na cadre ya évolution ya âme ya mutu oyo ayena mukili awa nzamba semeye dans ses corps physiques et où il doit apprendre justement à connaître les lois de Dieu et à les vivre pour que akoka ko évoluer jusqu'à atteindre la maturité nécessaire wapi akozwa makoki ya koyeba kozonga à la fin de son cheminement na kati na oto bengaka lola to le salut éternel nabiso. Donc voilà bandeko esengeli tokoka ko sosola babiloko wana. Donc tant bazo ba mutu awa akufi, ce n'est pas qu'il a cessé d'exister que vie ezali susuté. Non, ça veut tout simplement que dire que tant o epesa melaki
na corps physique oyo et sili maintenant a kolbima dans ce corps physique et il va aller continuer son cheminement dans l'au-delà dans les autres corps où ils ont formé âme ya moto. En réalité tant que balobaka âme ezali ba corps où ezali c'est ba corps subtil où ezali ko former au tout bengaka âme ya moto. Ba corps wana ezali ba corps oyo mutoko ko benga ba corps ba sentiment ba corps ya maloba ba corps ya ba pensée na biso bomoni yango Jésus-Christ azo ba makambo na kati na Bible tango Jésus-Christ azo ko loba ete si quelqu'un dit à son frère raka c'est-à-dire qu'a fingi ndeko na ye azali assassin c'est un meurtrier de son frère nous pouvons nous poser la question abomier na nzoto nini ici Jésus-Christ était entré en réalité de nous dire que nous avons un corps de sentiments ou un corps de paroles oyo ezo sala ke maloba toza ko bimisa na kati na mukili awa ezali ko sala ba dega mais voilà il kola tozala ki susu na boye bia makambo te to komona ete lelo oyo nous avons fait des dégâts et des dégâts nous avons tué des gens à partir ya ba maloba na biso ya ma be et nous allons voir encore que Jésus-Christ s'est dit était celui qui envie la femme de son prochain, il a déjà commis l'adultère avec lui. Vous pouvez nous poser encore la question avec quel corps? Mais c'est avec les corps des pensées. Donc Jésus-Christ était en train de nous apprendre que nous avons différents corps. Nous avons un corps aussi, il y a un sentiment, il y a une pensée et tout ça. Il y a un corps qui lali na boutou. Tu te retrouves dans ton songe en train de faire des choses. Il y a un problème, il y a une femme de nuit, un mari de nuit. Il se retrouve dans ses songes. Azako, Sanganana, Basitona, Mibali. Et, mais ce n'est pas avec son corps physique qui est étalé sur son lit, mais c'est avec un autre corps où ils allaient colander ça, bas sentiment oyo yé azalaki nayango à l'égard de la femme de son prochain, tout n'a pas envie, mususu ya haine, tout ça vis-à-vis ya muninga nae. Donc bandeko, c'est des réalités que nous devons savoir. Le loto lobaka âme, mais nous ne savons pas c'est quoi l'âme. L'âme est fait justement de ces différents corps, bas corps, bas sentiment, y a bas pensée, na matière dense, na matière subtile. Donc esengeli toye bayango. Donc quand on dit qu'une personne ici est mort bande konangai, donc il n'a pas cessé d'exister, cette personne, il naît dans l'au-delà, dans un autre corps. Alors, Moutou Oyo a se retrouvé devant une sorte de bifurcation. Donc, c'est-à-dire, il a le choix, yako kenda soit na gauche, soit na droite, selon denge amena ki vine ao na katikati na mukili. Soka tambola ki selon le désir animal, soka tambola ki selon le désir charnel, cet homme a se rendre compte que azali forcé yako kenda na nzela oyo ezali molili, nzela oyo ezali soit à ça qu'on se retrouve dans Katina Zamba, tout na poto poto, parce que vous allez voir que un homme animal, il vit où? Il vit na Katia Zamba. Na Katia Zamba, c'est là où vivent les animaux. Tout na Katia poto poto comme ba ngulu. Donc, il va se retrouver dans un chemin tout noir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit ici sur la terre, qui n'a pas la connaissance ya balo atata Nzambe, azali est une personne aveugle. Azali na katia mulili, il ne comprend rien, azo mona eloko mon côté, et mutu oyo, azali na katia na souffrance, parce que azo dinda na poto poto, azako se touffe, azana katia na zamba banyama mabe, bazali yako soye, et tout ça, parce que il n'a pas voulu apprendre à vivre selon les lois de Dieu qui est la lumière de l'homme. Ndenge David Azakoloba, ta parole est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Donc, omoni ndeko nangai, donc ndeko oyo azali nakatia souffrance mounene et cela peut lui prendre battant, nabattant, nabattant, que on ne saura pas qu'on estime. Alors, nous, ce qu'on dépendre, na capacité naye, ya ko reconnaître et à Tambola Kimabe et qu'il y a un Dieu qui peut lui venir en aide. À ce moment-là, il peut obtenir un secours ou surgir pour Nakoya Yako Sungaye.
Et après cela, cette personne est obligée à passer devant le jugement de Dieu. Donc, dans le monde de l'au-delà, n'est-ce que vous avez dit, Jésus-Christ a dit, ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Ce qu'a moissonné, pas dans ces siècles ici, dans les siècles futurs, c'est-à-dire quand il va passer dans l'au-delà, à quoi il va récolter Yango. Donc, nous passons nous tous devant les juges, 24 juges, où il y a Tata Nzambe. Et là, tous botami nakati anzoto yezali, soit yaba pensée, kuna yaba sentiment nabiso. C'est-à-dire tous les sentiments, les émotions, yaba haine, yako yina, yaba songi songi tout ça là qui a ko finga batu et tout ça, makanisinyo so ya adultère, ya impudicité, ya ko sala batu mabe que nous avons eu ici. Et comme kuna ba acte que nous ressentons maintenant dans notre corps. Mais devant le juge, il y a Tata Nzambe, ils attendent le jugement, il y a awa yo ko zwa avoka bo banda ko débattre. Mais quand tu es devant eux, ma benyo so yo salaki et ressurgir na kati na yo, et yo moko o reconnaître yango et tu te sens toi-même coupable. Et devant cette situation, donc voilà, vous allez obligé maintenant de savoir répondre maintenant ou de récolter dans le langage qui est utilisé dans la Bible, bah où ils allaient qui bah semence nayo. Donc ce que tu avais nourri comme bah sentiment yamabe, bah makanisi yamabe, bah maloba yamabe et pas yabaninga. Jésus-Christ dit tout injure que tu adresses à ton prochain, ils allaient un meurtre, ils allaient tous à kubomaye. Maintenant tu te retrouves de l'autre côté au lati maintenant un corps. Ndenge batu bazana corps et physique awa maintenant ozana corps ya ba sentiment na yo ya ba pensée na yo ozako ressentir biloko nyoso na na kati na yo soza e muto ozaye ko vivre na kati impudicité ozomona sikoyo ke bazali ko ya ko sala yo ba biloko wana bazako lala yo de manière non stop et jusqu'à ce que okolemba oluki même là où la Bible dit tu chercheras la mort mais la mort ne viendra pas. Tu chercheras même à te tuer, mais la mort ne viendra pas parce que tu dois récolter, tu dois goûter à ce que yo au lukaki, yo au cultiva qui na kati na mukila, parce que yo na kati na mukilo lobia vie awa na mukileza tchatu, il faut kuko profiter vie ezali bisengolia mela tout ça bima na ba petite chérie, c'est ça la vie. Et ben voilà, on se retrouve de l'autre côté et on doit payer tout cela. Et tout ce qu'on avait fait, on doit le payer. Ezali, mutu, azako mona neti abatie na kati ya ba prison et il va récolter chaque péché oyo asalaki et bandeko. Je peux vous dire que souffrance o ezali, je ne saurais même pas ya ko décrire yango awa, mais pour vous dire que ezali likambo ya li sekite et ça prend aux gens ba ané, ça prend aux gens ba ané na bané, comme on ne saura pas les estimer ici. Et nous, ces autres dépendent encore na mobilité de l'esprit ya mutu oyo ya ko reconnaître ma benaye pe ya ko senga bolimbi c'est pas na tata Nzambe. Et là ba ko, ils vont voir maintenant si il faut et que mutu wana azonga na kati na mukili akoka ko réparer makamu naye. Donc bandeko, quand on parle de la réincarnation, ce n'est pas seulement un cas exceptionnel réservé à Élie. Bomoni balobi que l'esprit d'Élie était revenu, s'était réincarné dans la personne de Jean-Baptiste. Quand on posait la question à Jésus-Christ, on a dit qu'Élie devait revenir et Jésus-Christ a dit oui, Élie est venu, mais il est revenu, vous l'avez traité comme vous avez voulu, il parlait de Jean-Baptiste. Donc on ne parle pas seulement des cas exceptionnels. Biso nyoso na cyclo ba pesa ki biso. Donc to mona ka mwana soki a bandi cursus scolaire asala ka ngona ni moko te a kenda ka classe ane moko a ki deuxième année jusqu'à la fin. Mais maintenant toujours le ba mais to komi na fin ya cycle. C'est pour cela on parle du jugement dernier et oyo ke bandeko. Ça se trouve que pour beaucoup d'entre nous, nous n'aurons plus peut-être la possibilité de pouvoir récapituler pour revenir peut-être na kobongisa et tout ça. Donc bisonyo sona kati na mukili awa papa limia, ce n'est pas la première fois que nous revenons sur la terre, mais nous revenons sous d'autres noms. Nous revenons na kati na mukili na
ba enveloppe mususu et c'est là bandeko ba lobaka natina ba prophétie à papa Simo Kimbangu quand il parle que mindele ba kokoma batu mwindu ba kokoma mindele ezali par rapport ya loi ya réincarnation, c'est-à-dire que mutu na mutu akozonga et si kaya sala ki mabe pona ko récolter papa limokomona ki quand on dit que ce que l'homme a semé il le moissonnera, ce qui osema ki mabe na yo na kati ya Congo. Donc si tu as semé un champ na Congo, tu vas pas aller les récolter en Belgique, donc tu vas aller les récolter au Congo. Si tu as semé le maïs, tu vas pas récolter les safou ou récolter les maïs. Donc bandeko voilà la loi à réincarnation ezali même la base de la spiritualité. Jésus-Christ, parlant à ses disciples par rapport à son retour à l'obi, quand je reviendrai, vous serez là et vous me verrez dans la gloire de mon Père. Alors que Jésus-Christ ne revenait pas après histoire il y a 50 ans, il y a 100 ans. Jésus-Christ reviendrait et parlait de son retour après 2000 ans. Bandeko. Donc, Mazoïb, ça va disciple, c'est-à-dire que Bako se réincarne et ils vont être là. Donc voilà, nakangi parenthèse on a vite fait tozalaki koloba awa été voilà les conséquences oyo déjà ezali ko se produit na niveau ya mort spirituelle dans na kati ya processus na yango et quand oti ko pesa wa bandeko mingi bazaba passer ba potre ils vont se dire oh biso kutu to yamba Yesu biso to serva kata tanzambe. Beaucoup ça la surpris que dans ces cas autodi ya ko pesa awa beaucoup ce sont des pasteurs. Beaucoup ce sont des évangélistes qui se retrouvent dans ces situations ici. Donc voilà pourquoi nous faisons ce travail à refondation des notions chrétiennes. Parce que yo pasteur aux Olandabiso, aux Ali côté, il y a un évangile déformé. Jésus-Christ ne te reconnaît pas. Donc il dit qu'à la fin, tu vas dire que j'ai fait 50 ans de ministère, bah, guérison, bah, miracle, et tout ça à ton nom. Jésus-Christ dit dans la Bible, je te dirai, je ne t'ai jamais reconnu. Parce que tout ça, tu l'as fait sur base yaba désir charnel pour chercher ta gloire personnelle, pour chercher l'abondance, la richesse matérielle. Ngai nazala ki kuna na katite. Yango komona lelo to sali ba église, mais toza ko se disputer entre nous, tozali ko ya ko yinana ko tielana ba poison et tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il suffit de regarder le fonctionnement de ce que nous appelons l'église Nabiso pour comprendre que les motivations qui sont derrière les alliés tout à fait charnels, Botanga Galates 5, les désirs de la chair sont manifestes et tout le monde est en haut. Nakati, il y a un chef, il y a un haut, tous alliés qui ont basalé dans la Tanzambie, les loups. Donc, Bandeko, le temps qui nous est donné dans Nakati na Mukili Awa, ezali po ete to yeba ko bongisana tata Nzambe. Mais na moment oyo, la parole de Jésus-Christ qu'il a laissé sur la terre a été déformée. Et Jésus-Christ le savait, et il a demandé à ce que Dieu puisse envoyer le Fils de l'homme, oyo nga nazali serviteur nae, pour qu'il vienne rétablir la vérité. Et apôtre Paul a zoïpsa na Timothée lobi, na fin de temps, il aura pris la parole. Alors, chers frères et sœurs, yo pasteur, yo apôtre, demande-toi quelle parole tu prêches aujourd'hui. Parce qu'il faut donner la nourriture du temps. Jésus-Christ a dit, quand vous verrez des catastrophes, quand vous verrez des guerres, quand vous verrez tout le chaos dans le monde, sachez que c'est la fin. Or, à la fin, la seule évangile qui doit être prêché, c'est l'évangile éternel du Fils de l'homme. Pose-toi la question, évangile ni nous en ango. Ndeko moi comme linga lobi, yoza franc maçon, évangile yoza côté yana, ezaya ba papa na yo, ba catholique, ba protestant, les livres qui tient à sa main, ba tu ba sali ango, ezali ba catholique, ezaya ba archi ba bishop te, donc il y a église, il y a réveil. Donc vous tous au monde à niveau il y a ignorance, na degré moko comme pas possible. Donc chers frères et sœurs, total ici kaya am oyo etamboli bien te awa na kati na mukili na ignorance elingi koyoka te matea ya refondation de notions chrétiennes elingi koyoka mungongo ya fils de l'homme te elobinga naza licencié nga naza docteur et azo continuer na makamu naye. Donc tokomona pe ezali pe na ba am oyo tobengaka ba homme et de femmes de bonne volonté
oyo ki atambola ki malamu na tata nzambe, eh ben yepe tango balobi a wakufi, c'est-à-dire que abimi dans son corps physique, il naît dans un autre corps dans l'au-delà, kuna akozala ba être de lumière oto benga ka ba angelou ba koya ba yambi epe et wapi ba ko memaye tout le long ya cheni ya cheminement na ye pour être à continuer jusqu'à ce que azonga na bokonji wa likolo. Donc il y a pas ko le Canada devant aussi le juge, comme l'apôtre Paul dit, nous tous nous passons devant le juge, ezala ba pécheur ezala ba to ba tamboli na kati ya botosi ya tata nzambe, parce que œuvre ya mutu na mutu il faut e le Canada devant le jugement du feu pour na otala ceux qui va œuvre na biso ezaki malamu s'il y a pas des choses à rectifier et tout cela. Et c'est na kati ya cheminement oyo papa au monde a pas limia mutu komi na kati ya monde oyo toza ko benga monde ya ba sentiment, monde ya ya ba pensé na côté ya oyo ezali ya bana nzambo ko mona ezana beauté moko inde batu mingo mona lobi tango akomi kuna ba memie kuna lobi na koma ki na lola. C'est normal ba biso ko za lola parce que oza déjà na kati ya cheminement o ezomi malola, mais oza na kati ya lola te bandeko dans le temps où nous sommes en tout cas bandeko lola ezaya ko kangama. Donc ba vision mingi oyo toza ya kozwa to suka kanabiso awa kaka na kati ya deuxième ciel, troisième ciel awa na kati ya la matière ici, mais ezana beauté moko oyoke voilà comme on n'a pas idée ici na kati kati na mokili. Donc voilà chers frères et sœurs, mutu oyo azali ko continuer cheminement na ye awa balobi ete akufi. Alors la mort, pour na kosuki sa émission na biso, nous devons yakoye ba que la mort est physique, c'est un fait naturel. Et que la mort spirituelle eza ko produire ba effet na yango tout le long ya cheminement na biso au travers ya âme na biso, c'est-à-dire na ba différents corps oyo mutu alati, parce que il doit récolter oyo ye ayeba ki bongo yako semé. Bandeko, mutu soki abotami awa na mukili dans l'andesa, abotama avec un cordon d'argent. Je tiens quand même à souligner aspect oyo. Tango tozo ba muta botami dans l'au-delà, abotamaka aussi avec un cordon d'argent. Papa limana tango vite fait. Donc cordon d'argent wana, tango babi muta kufi awa, amna ye bimi na nzoto ya physique, mais eza d'abord relié pendant un laps de temps minimum soit 3 jours soka tambola ina nzambe soka za muto oyo alinga ki chacho mingi alingi babilo kwa mukila alingi la voiture na ye mingi la maison na ye, donc muto akoma idole ya biloko ya mukili akangama na kati ya mukili ipe même ya kuleksa plus de une semaine wana na kati ti baza kwa mbume souffrance nyo sana azoyo kango soki ndenge bandeko msu baza ka ke bazwi nzoto ba sinere yango azoyo ka souffrance wana nyo so parce que il était encore là ndenge de l'autre zo mona bat ba ke bazo lela bazo swana na matanga azo mona biloko wana nyo so tout ça yango omona mingi situ na pote awa papa li mona bat basomi bandaku eza ba mindele mingi oka akufa ayenga ne wana kaka ba am iran baza ebele le na kati na mukili. Pourquoi? Parce que ils se sont pas préparés à la mort, bazali attaché encore à la matière et tout le monde a été ba am oyo c'est là que ba okiltiste ming baza ko capturer bango pour na ko utiliser donc na bango ya ngwana tango sombi même la maison oyo ke yo moko otongite il faut obondela ka ngatango na sombi la maison là où je suis tata nzamba alakisa kingai alakisa nga mutu wana oyo azalaki propriétaire wana azalaki neka azoyenga ingana lokola yebaki tata nzambe te azoyenga ingana wana jusqu'à ce que j'ai fait la prière pour na koyebisa ye ke abima akende abimi na ye et puis ake donc yango mona batu mingi bazana kati ya ba situation na ezo memela batu ba situation msusu compliqué na kati ya ba couple na bango ba famille na bango kozanga yako yeba. Donc muto oyo azali attaché encore avec son cordon d'argent. Ecclésiaste 12 ngai eza na verset 8 na ba version mususu ezali na verset 6 na bandi na verset 7 où l'on redoute ce que
ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mangée fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus de fée, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent. Donc, Nasukiwana. Donc, voilà Bandeko. Muto oyo bolobi ki akufi. Azawana d'abord. Yango monaka ka oyo bazol bake. Muto akufa ki azongi na vie. O a ressuscité, non a ressuscité te. Parce que la mort physique awa médicalement ba constata. Ango soki mutema e arrêté ko. Ezo ko. Ba pulsion ezali susute. Spirituellement, un mort physique, ça se constate quand le cordon d'argent est coupé. Donc, tant que le cordon d'argent n'est pas coupé, Moutoua Zana, force spirituelle, il peut faire revenir cette personne qui est morte. Il y a un mot Abaka, il y a Pierre Tabita Kumbi, au mot Abaka, il y a Lazare et tout ça. C'est-à-dire que, du sort où il y a un mot à Jésus-Christ, quand on lui a parlé que Lazare a coupé, il y a un mot à Jésus-Christ. Donc, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Donc, Nabamatanga, ce n'est pas un endroit où il y a un étalé de sentiments, où il y a un étalé. Parce que quand vous plairez, surtout vous, les enfants, il y a un étalé de sentiments, quand lui, il veut, il y a réalité, il y a un étalé de sentiments physiques pour a consoler bananaye ezali ko attaché et les cordons d'argent na ezoko encore plus solide et ça va prendre encore plus de temps pour se détacher. Donc voilà, ce sont des révélations au besoin kana katia refondation des notions chrétiennes bandeko ezapona ko sunga biso pote ba ko se préparer pe ndenge nini ya ko se comporter face à bande connaissance au bazali kokenda. Donc ce n'est pas un endroit ya koya ko italé ba sentiment biso ko inviter mutu nyoso. Le matanga doit se faire dans un cadre restreint et puis tango mutu a kufi azawana, on peut encore lui exhorter, on peut lui donner encore ba directive ya suka et tout ça ya ko ya ko pesa e mwa ba directive ti ba suka par rapport ya liloba ya tata Nzambe ya nzela oyo azali kokende ko tindela e ba papa ba ma pensée à malamu pour que nini akuka ko se détacher plus facilement et que chemin naye ezala malamu. Donc bandeko, comment est-ce que nous devons nous préparer à la mort? Bandeko, les conséquences de la mort spirituelle, c'est le péché. Donc pour que nous puissions savoir avoir l'ascendant sur la mort en tant que telle, nous devons fuir le péché. Comment? Dans la sanctification. Préparons-nous à la mort dans la sanctification. La sanctification, c'est dans la croix. La croix, besoin de l'enseignement, il y a croix. Et que la croix, c'est la somme, il y a amour, il y a Tata Nzambe et de la justice de Dieu qui doit diriger nos vies dans toutes les expériences que nous faisons ici sur la terre. L'amour de Dieu, c'est le fait de garder les lois de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans les mariages, na katia musala tozo sala, na éducation tozo pesa na bana, na ba relation na biso les uns les autres. Quand nous mettons ces lois-là dans l'application, c'est ça qui accomplit la justice de Dieu et c'est ça qui nous sanctifie. La sanctification, c'est ça. Et ça, tu jeûnes et prier. Au jeûne qu'on prie, mais si tu n'appliques pas la loi de Dieu dans ta vie, aux à la sanctifiété. Et puis, on peut appliquer la loi de Dieu. Il faut l'enda, les fondations des notions chrétiennes, au sale fort, au coup d'un fils de l'homme. Donc, Bandeko, je pense que Papa Limia, nana au souk sawana, et tout répondre à ma question. Et puis voilà, Bandeko, ce qui peut ma question, Zali, Batine de la Bisso, Papa Limia, Rocha, ni Nanga, il y a téléphone assez, parce que Namoni Bandeko Mingi, voilà. À la limite, peut-être, si on s'appelle, on peut s'expliquer mieux et on peut peut-être arriver à se comprendre. Le but est d'aller te toya pour n'accueillir bah qu'on se bouscule. Le but est d'aller pour que toya bah tout se complète. Nzamba Pessi, il a donné aux uns d'être apôtres, d'autres docteurs, d'autres ceci pour l'édification du Christ. Donc, mutoye bi makamunyoso na spiritualité zate. Landa maté ya refondation des notions chrétiennes. La humilité. Peut-être nous avons pas pu sur domaine moko osa peu ko exceller,
mais il y a que pour que tu parviennes à la perfection, il faut que y a que yo capé aussi. Donc papa Limia, merci. Nana zong chelo maloba. Voilà, donc tu connais la Blaise Monama, la matière là sur l'amour. Je crois qu'il me tourne quand même dans la moi mingi. Mais après peut-être tout dans la côte la ma question on a mis qu'on notait ah ouais. On veut parler beaucoup plus sur fils de l'homme, fils de l'homme. On veut bien un fils de l'homme. Non, moi je ne suis pas le fils de l'homme. Moi je suis le serviteur du fils de l'homme. Ah, le serviteur du fils de l'homme. Parce que le là, serviteur oui, du fils de l'homme. Il faut qu'on la mate, il y a fils de l'homme. Il y a fils. Il faut y a qu'on Luca. Il y a qu'on Luca. La parole du fils de l'homme. Jésus-Christ a dit, quand le fils de l'homme viendra, c'est lui qui vient pour établir le règne de Dieu sur la terre. Et c'est lui qui vient juger le monde. Mais sur cette la notion là au moment on a théologien bango va comprendre on va lobby ah donc c'est que Jésus-Christ quand il parle du fils de l'homme c'est toujours Jésus-Christ qui va venir mais dans son aspect maintenant aspect maintenant donc na côté il y a en tant qu'un homme au moni or ba bosani que dans la Bible on dit qu'il y a un homme au ciel et cet homme là c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est au ciel, c'est une personne. Papa Limia, Balobaka, Nabiso Anamukili, que les chats ne font pas les chiens. Donc si nous sommes des esprits, notre Père c'est un esprit. Donc si nous sommes des hommes, notre Père c'est le premier homme. La Bible dit qu'il est le premier homme, le premier né parmi les hommes. Omoni. Donc, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est une personne. Au moment dans la Bible, Bandeko, allez chercher, c'est écrit noir sur blanc, sont enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Il faut Zala, na so ya Saint-Esprit, pour que vous allez reconnaître enfants de Dieu. Alors, envoyez naïe, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Lui-même, il va pas venir. Donc, il a donc envoyé Naïe, c'est lui que Jésus-Christ parlait du Fils de l'homme. Et quand Jésus parle, quand Jésus parle du Fils de l'homme, pourquoi du Fils de l'homme? Parce que Jésus-Christ disait, vous pouvez y avoir péché contre les pères, il va pas vous sanctionner. Vous pouvez pécher contre moi, il va pas vous sanctionner. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera jamais pardonné. Parce que le Saint-Esprit, c'est le justicier en fait. Le Saint-Esprit, c'est, il incarne la justice ya Tata Nzambe. Jésus-Christ, il incarne l'amour ya Tata Nzambe. Ozomona, c'est des notions oyo et sengeli na biso to comprendre si tout na temps oyo tout zali na yango. Et voilà pourquoi quand Jésus-Christ parle de temps de la fin, il parle que c'est le Fils de l'homme qui va venir parce que c'est lui qui doit venir pour juger le monde. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit. Envoyé yes. Donc il y a Saint-Esprit. Mais surtout, on va regarder tous ceux-là. Jésus-Christ s'attend à vos hommes. Maintenant, Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Baza Mutumoko. C'est ça le mystère. Mystère, il y a croix. Au moins, il croit que le biais a deux branches égales. Na deux branches égales, wana ozali na branche moko horizontale ezali amour ya Tata Nzambe. Branche vertical ezali justice ya Tata Nzambe. Les deux font un. Yango moni soko lobi o définir amour ezanine. L'amour Jésus-Christ dit c'est le fait de garder les commandements de Dieu. La justice ezanine. La justice c'est le fait de mettre les lois de Dieu en application. Donc ezaka ke loko moko c'est toujours les lois de Dieu. Et donc c'est-à-dire mais na kati ya ba fonctionnalité na yango. Quand ça entre dans Katia Mokili, ils allaient former deux personnes différentes. Par rapport à la fonction na yango. C'est là où nous disons, il ne faut pas que nous rigidifions les choses de Dieu et que Sengeli to comprendre to comprendre le Bananzambe avec Nini Nabiso, Esprit Nabiso. Donc le Saint Jésus-Christ et le fils de l'homme, Bazam Tumoro. Ce qu'il homonie le fils de
de l'homme au moni Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, quand il viendra, le paraclet, il ne dira pas autre chose. Il prendra seulement ce qui est à moi et il va vous l'enseigner. Yangwana soko olandi, le fils de l'homme, ou qu'on comprenne maintenant la véritable évangile de Jésus-Christ authentique. Parce que Jésus-Christ seul est la vérité. Mais une vérité que aujourd'hui le monde a déformée, malheureusement. Voilà. Rapidement, parce que le ministre qui n'a pas mis, comme le ministre, moi, c'est faux, les alliés, qu'on bien gagné. Moi, je vais quand même soigner parce que je vais soigner directement. Le numéro de téléphone, on a retient l'émission, on vous a remonté. Alors, moi, quelques questions rapidement avant toute cette émission. On parlait sur une notion, donc, il y a l'IOA, il y a mort. Donc, Koukoufa, mort, il a dit qu'on naître donc dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on botama dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et puis dans l'au-delà, on parlait sur bah, différents corps. Oyo, Isaliku, Toulata. Toulata. Bah quoi, sentiment, il y a ma pensée, nous, voilà. Bon, mais là, on va expliquer d'abord, Bissot. Parce que je crois que les gens ont une notion, ils sont sur le Kanga Kalilo. Ah. Bah quoi, Rwana. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, Olinga na ébité parce que non le kolia ça fait partie il y a ba sens oyo ezali il y a ba sens oyo ezali dans quatre accords ouais parce que le kolia ça quatre donc il y a goût au moni bilamba dans un langage spirituel ils a ba œuvre à moto voilà au moni ils a ba œuvre à moto donc parce que d'abord sur l'au-delà parce que la façon dont vous présentez l'au-delà c'est un autre monde. La façon dont vous présentez, donc, ils sont dans un autre monde, surtout qu'on fait dans le monde, et puis dans le monde, dans le monde, il y a possibilité de se répandre dans le monde. Expliquez d'abord, parce que là, il faut passer par ce type qui nous a couvé. Si, oui, ma grand-mère, c'est ça le monde, c'est où nous allons vivre. Ce que vous se répandre, c'est que vous couvrez, ma grand-mère, tout est si, n'est-ce pas. Mais c'est comme si, deuxième étape, c'est-à-dire que, deuxième période des années dans l'au-delà, donc on peut encore se rattraper. Ça, c'est quand même assez drôle. Hein? Bon, au moins, voilà, papa lit, ils appellent la Bible, Bazolo Bango. Au moins, Jésus-Christ, quand il est mort, on a dit qu'il est descendu dans les séjours des morts. Ouais. Et que là-bas, l'évangile a été aussi prêché. Dans le séjour des morts. C'est écrit dans la Bible. Au moins, que Jésus-Christ, quand il est mort, et qu'il est descendu dans ce jour des morts, avant qu'il monte au ciel. De sorte que l'évangile n'a pas, même dans ce jour des morts aussi, il n'y a pas. Donc, il y a tout le monde, entre ici, la matière dense lourde, donc dans le monde, il y a corps, il y a physique, et le ciel, il y a l'eau là. Il y a tout un cheminement. Il y a tout un cheminement. Alors, quand maintenant nous parlons du ciel, de l'au-delà, Babilo Kouana, il ne faut pas tout zoyango, il ne faut pas qu'on rigidifie ça. Il faut tout comprendre par rapport à la vibration. C'est-à-dire que la vibration est tellement la densité. La densité est tellement yamakasi que au moment là que même les mouvements et tout ça yamutu c'est limité. Mais quand la personne a il porte maintenant le corps ya au-delà ezali na densité moko plus léger que la densité ezali a. Donc à vibration nanana yango ezali beaucoup plus accéléré que onase omoni. Donc ce qui fait que tozo benga yango au-delà, en réalité l'au-delà na en deçà la séparation ne devait pas avoir ceux qui batou bakomaka ba prisonnier te ya matière. Au-delà de ça, il fallait même pesal. Au Monica, dans l'Ancien Testament, il y a Saoul. Il est parti demander qu'on invoque l'esprit à Samuel.
l'esprit a sa moins laissé les cailles de l'autre côté. Au moins, mais le bien esprit a sa moins le payé et l'obélié. Après, il y a Samuel et Kéi. Au moins, donc, Zali Nango Biloko Mokote Oyoke Okumona. N'a pas cet exemple. Moi, j'ai acheté une maison et un jour, Nakacha ma bonde li balaki singaï. Les âmes ya mutu oyo azala kawana ouatekila nganda kute ya sa akufaki, c'est son fils qui m'a vendu la maison. Que il était encore là et beaucoup des âmes na mukilelo bazako ere parce que ils savent pas à kende wapi omoni. Donc mais au moment que il avait aussi un corps tango na monier il avait un corps. Et bon, qui se coule, on a peine à côté dans ma bonne délit. Non, c'est pas démon. Et Zali Moutou, et ça, Totobara, l'homme et l'esprit, et âme et le corps. Âme ya Moutou, et Zali Naba, c'est toujours le corps, mais des corps de Tolobi, et Zali subtil par rapport à corps Oi. Et la vibration d'Ango, et Zali un peu nini, quoi. Donc, beaucoup plus léger que les corps qu'on a ici. Mmh. Donc, ce qui fait que ces corps-là, pour qu'on a besoin de fumer la porte, la fenêtre, et qu'on traverse donc les murs. Il y a un moment où on a un corps, tu portes des fois aussi un corps. Et avec ces corps-là, tu n'as pas besoin de fumer la porte, la fenêtre. Tu te retrouves, pose-toi la question na kota nanda kwa ndeni parce que nandoto tu te retrouves avec un corps. Alors pose-toi la question, ce corps là c'est quel corps? Et aujourd'hui en Europe avec babiloko ya ba expérience de mort imminent, on arrive même scientifiquement à les démontrer que nous avons différents corps et pour mon akiba to ba cette expérience imminent même le hôpital sikoyo ba comme ko arriver ko démontrer ango que l'homme des fois quand il se retrouve na état moko na kati ya Nakata Koma, Romona Azomona qui a se détaché avec son corps de physique. Et Batuming Sikoyo, comme Azaki Naboye Banate, des fois il est surpris. Azomona qui son corps physique est lali, mais Azomona qui lui il continue à vivre normalement car Andenga Zalarape avec ses corps ici. Korwanape et Eliaka et Melaka et Latarape Bilamba, tant au lota Ndoto, au lota qui est au Bilamba. Donc voilà, et ça n'a pas de moko kaka. Il y a un moment à Babilo qu'on a basolo baké na monde yaba. En fait, le corps, le physique n'est que la densification. Papa lui, mais si tu veux, yaba des autres corps en fait. C'est vrai que bon, n'importe vraiment qui on a, faut besoin d'un moment parce que l'intérêt c'est quand même mingi. Parce que parler à Babilo yaba corps on a sous la qui mutwa kindumba yu moisa kindumba, comment la kuna batwaza kuya kubimana yu ebele pas. Justement. C'est quoi yo? Bon, ce que nous avons dit, c'est que nous avons un corps qui est en train de se faire. Mais nous avons dit que nous avons différents corps. Ils ont la forme. Quel est le corps que vous parlez là? Non, non, le corps, c'est la même. La niveau, il y a forme, même physiologie. Mais comment vous distinguez ce que vous avez senti? Il y a sentiment. Il y a sentiment, c'est-à-dire que. Il y a un corps qui est en train de se faire. Au moins, awa soki ozane na sentiment moko onki ya mabe. Ozana sentiment mabe, c'est-à-dire que sentiment net ke ozo lula la femme de ton prochain. Okoki osali déjà impudicité wana, osali déjà adultère wana avec ton corps de pensée, mais et se densifiété. Parce que ba pesa ki au moins ba manière moko ya bien, mais osali ya wana kaja ba pensée. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Chaque des pensées, ils ont déjà acte. Bah sentiment, ils ont déjà acte. Quand tu vas passer de l'autre côté, ça dit tant que là, t'as ce que banjoto ils ont correspondre. N'aba sentiment nayo, n'aba pensée nayo. Au qu'on ressentir, yango siko yo nenge au ressenti, au ressenta kaba acte, na niveau yanjoto yaba acte. Alors mutu oyo asalaki na haine vis-à-vis yaba ninga. Azo finga bango. Jésus-Christ a dit quand tu injuries ton prochain, effet oyo ezo salaye. C'est comme si tu es son meurtrier, aux autres bomaye. Au moins, à Babatou, même dans Moukila, au finger le logo Mouboyama Kras, au booming à Pinza. C'est-à-dire que,
par rapport à ce sentiment, na ye, donc ou éteindre la flamme de ce sentiment. Na ye. Au moins, awa au ressenti titiri angote parce que Zalina dans ce corps qui est beaucoup plus de danse oui. Mais quand tu passes de l'autre côté au latis koyo le corps y a bas sentiment na yo tu vas ressentir maintenant bilo quoi donc yom tozaka vous au finger batou et tout ça maintenant de l'autre côté au moins peut-être que bazoya po ba 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 bo 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 mayo bazo bambeli bazo tiayo mais ozo luka même au koufa mais tu n'arrives pas Yaokufa. Parce que ba effet ba sentiment na yo ezawos hala na batu awa. C'est là où la sagesse de Dieu papa Limia quand la Bible dit que ce que tu fais à ton prochain, tu le fais en réalité à toi-même. C'est là la sagesse ya tata ta. Parce que c'est là que tu te rends compte que en fait ma benyo son ezawos hala na batu, je le faisais en fait à moi-même. Bana basio a longo la base mais tout ça a omona netisko yoke bana na nyoso baye bazo kangaye na kingo bazo dindise peut-être na donc azo mona azana kati a situation moko boye impossible. Voilà, encore deux petites questions avant toute cette émission la biso on parle aussi de la notion mon awa bon je crois pas souvent découvrir un peu le langage des émissions la biso il y a les cordons d'argent. Cordons d'argent on oublie bien que bon pour que mutu penza hein couvre complètement kende voilà. Il faut vraiment se détacher des cordons et puis le mot lobby la carte à lobby que ceux qui m'ont à couvrir couler la voilà plus à ramabé et vous qu'on renforce encore plus cordon à l'oublier c'est comme ça qu'on peut qui s'abat c'est à dire que mon soir à couvrir tant que vous en amatant il faut pas mal au bambou et à malamour et à réconforter des choses comme ça c'est ce que la Bible dit papa Lina. Quand vous allez dans la maison des deuils ils allez jusqu'à méditation méditation par rapport à la mort tout le bien ah que la mort c'est naître dans la bayouka dans la maison là et bayouka et d'ailleurs écoute pourquoi bah tout mingi bazo vivre à l'ignorance et à makambo tant que yemoko akufi à se détacher il est au-dessus de son corps maintenant le physique au captazo le la coute il y a le cadenas peut-être nabine au moins azali dans l'incompréhension azo luka peut-être asimba bino sabino oh il est azo comprendre parce qu'il se voit là-bas aussi dans un corps kaka neti karaboy Azo luka simba bino sabino que nakufi te je suis là. Au moins il se rend pas compte que au moins yango tozolo baké mutu soka kufi akoma raté na mayele nde batwa kansaka. Ou bien akoma ka bien té nde batwa ka que son âme repose en paix. Non. Ce qui muta viva ki awa luki la peine en Nzambe té, aluki la connaissance ya Nzambe té vivre ba lo Nzambe té na vie na ye, amné kozala na pété na kakati na muki. Tu as vu le big na 2 années na monde oyo. Le deuxième sur le monde au-delà, oui. Il y a possibilité à se rattraper. C'est que tu as et dit. Ça, la possibilité à se rattraper. Oui, mais... avant à se rattraper, il doit vivre d'abord. Makambunyos ouye api. Au moni, mutunyos otanga kufaga à se retrouver devant une sorte de bifurcation. La bifurcation, on a soko tambola ki na nzambete. La parole de Dieu dit, ezali la lumière sur notre chemin. Soko tambola na nzambete au moni okena nzira moko mulili. Omona okoti nakati nakati ya zamba. Omona okoti nakati ya potopoto. Il a des souffrances terribles. Mais nyoso wana il faut mutu a traverser avant bima babisika wana nyoso, il faut à reconnaître. Et puis reconnaissance ça ne faut utapenda na mutema na ye. Donc ça mutema na ye que non. En tout cas, il y a Dieu qui peut me sortir titi d'ici. Et na moment Ndesko ya presko abandiko kende ya ko répondre na ba péché nyo soit salaki. Donc soit même tazao vivre na adultère a kenano ba benga ngo ni sort net ya ba prison. Donc a kekuna a ko sibir donc il faut a récolter ba babilo ko nae. Soka bimi wana, soka azao vivre na kati ya afinga ka bato. A kesu na nini mususu. Kuna omona sko mafinga na ndenge zaki zo boma bato ye azo mona net ba zo ya baba bomai. Mais souffrance wana akufa pe akufa kate. Donc yango zo mona ke biloko oyo esengeto ebango enfer ezali les points donc ezali donc souka les souka mais enfer ezali tout un cheminement mutu pa ko ba même l'enfer enfer petit sikona no e fufunga mate bandeko bato ba ibisa bino ke na ke na mwimbo na fer te muta muta tsana na fer te donc to comprendre baba nini wana nyoso e kusunga penza biso voilà mais pour aussi lisant to c'est quand même la notion mo ya mnene lo blay awa
réincarnation. Je crois que ça dit bon notion là bas dessus bah quoi la montée réincarnation ça dit que tu couvres car tu zooms dans les sous bah tout ça et puis on oublie ah que non puis on va tout vivre dans mon kilo tant que tu peux tu zooms dans la corne sous tout ça là quand tu tant que tu bisounours comment vous expliquer il y a moins bande comme sous bah bas on oublie ah ouais oh Bible Bible aime sous ma cambo tant la Bible oh yo tout peut-être à l'obaga ango tout à salaga on peut-être zanga oui bâté bah oui bâté comment vous expliquez d'abord sur la réincarnation rapidement peut-être avant parce que je vois que bah tu belles bah vu que ils allaient la monter sur coufi au coufi mais bah en plus c'est pas une notion là bah quoi là notre yo zolo bilan plus le loa réincarnation ça l'ango non ils allaient la monter au coufi normal normal parce que tata Nzambe a sali vie na kati na mukili oyo to le baratoyer na mukili pour apprendre moi attends moi qui na classe t'es à ni moment moko donc tout le temps voyage à la mukili. La connaissance en Zambezali, c'est progressive. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qu'on va franchir, Zali, la vérité, c'est-à-dire que la totalité de la vérité, c'est le papa Lima Ayeba. Il y a un moment dans Nathan, il y a l'Ancien Testament, Ezaki na de Konabiso Daniel, a eu la révélation, a eu Luka, maintenant l'explication. Nous il faut Zela. Jusqu'à la fin des temps, quand la connaissance va augmenter, n'est-ce que l'explication n'a écopé ça. Donc Daniel, na fin des temps, a zongi du sous pour avoir l'explication. Au juge Jésus-Christ, a dit si ma disciple n'a dit quand je reviendrai dans ma gloire. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. A dit quand je reviendrai dans ma gloire, vous serez là et vous allez voir. Au moni. Donc, or, Jésus-Christ a dit qu'il ne va pas revenir après, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. A dit qu'il y a 2000 ans. Au moins, qu'après, il va revenir. Mais il y a dit que les disciples ne sont pas là. Papa lui-même, il y a des disciples peut-être. Il y a Jésus-Christ dans le temps passé. Donc, la réincarnation, mais, tu le dis, mais, tu as commis. Na fin il y a temps où il peut s'améliorer qui bat tout. Où il va causer occasion il y a co zonga ezali peut-être bah où yo bah causa l'effort. Comme la souka en fait. Donc comme la souka. Donc comme la temps il y a fin. Il y a moi là c'est à dire qui basobi jugement final donc jugement dernier. C'est à dire que papa a dit mais yo pe ou le kaka dans jugement liboso. Ce n'est pas le jugement dernier, donc il y avait un jugement à Liboso, il y avait un deuxième jugement, Onde Yasuka. Et le bah, jugement Misatouana et Zali correspectait bah, étape, il y a évolution, il y a humanité. Au moni, un enfant, quand il finit l'enfance, a passé à une épreuve à côté de l'adolescence. Souka, si c'est adolescence, à quelque côté de la maturité, épreuve Yasuka. Donc, tant on va parler que Dieu et tout ça, il y a eu un premier jugement, il y a eu un deuxième jugement. Maintenant, jugement, il y a Souka Yango. Et puis, on se participe à ce jugement. Et le jugement, ce n'est pas un jour, l'exception de la Bible, il s'est arrêté. C'est toute une phase. Ça prend des années et des années et des années. Chacun a un jour, chaque famille a un jour, chaque pays a un jour. Et il faut informer Bandeko que le Congo, aujourd'hui, en tant que pays, nous sommes en train de traverser notre jugement. Voilà. Tout le monde, voilà, sur la mission, il y a l'eau. Voilà, donc on a un petit peu moi, Souka. Pour tout si ça vous m'a dit, c'est quand même important. D'accord, mais ma question est belle. Je crois que là, on va peut-être laisser ma dossier sur ma retour dans ma question, même dans ma. Mais monsieur, tant que publié, dans YouTube, on va retourner sur ma question, monsieur, tout ce qui est en place là pour vous. Et là, nous allons prendre cette émission. Merci, en tout cas, papa Ali, mais Abandeko, Boulandi, Bissot, tu commis Nathan Yasuka. Et Nathan Oyo, c'est la connaissance, Mouteko Bikisa, Bissot. Nous t'accomme, Magamaël, l'été, parce que a passé de l'autre, le côté. Ce qui a osé là qui. Bolole na makamwa Nzambe, même quand tu passeras de l'autre côté, vous allez une âme peut-être errant, vous allez peut-être une âme ou peut-être batumsus bako capturer, ba utiliser, parce que au luka kite ouyeba. Donc papa Limia,
la connaissance au bazou ça tout aux alanango ezaka connaissance te ya kolia awa na mabele ya kolata na mabele non ezaka connaissance il faut to yeba mukili ndenge nini eza ya ko fonctionner donc lilo bana nzambe za pour pesa biso le boyebi Dieu est la source ya boyebi nyoso et sengeli to yeba mukili ndenge nini ezali ya ko tambola lilo na kama papa ali momo na mutu soki obando bimisa parema ba révélation muto efa la muto ya franc-maçonnerie comme si la connaissance ezali apanage ya bato oyo bazali ba okiltitiste et tout ça et pourtant la connaissance devait être normalement na kati na biso ya ba chrétiens c'est nous qui devrions normalement enseigner la véritable connaissance ezala na ba rose chrétien na ba franc-maçon na ba ndoki et tout ça donc voilà bandeko n'hésitez pas Oyo azali na mwani ni kokoso a penga mais voilà et singil tout ba makambo yo parce que le lo mona ki quand on parle de la mort les gens ils ont peur mona bandeko na spengani esprit de mort nini yo bengana la mort c'est la conséquence du péché so ngo bengana esprit de mort c'est-à-dire tu dois fuir le péché et point barre donc ils ont bengani esprit de mort bengani esprit de mort donc bandeko to comprendre biloko oyo parce que bouye bia solo ndeko biki sa biso e ko bim sa biso na kati ya kubanga omoni kobango epe bazana yango kozi ya kuzanga ya koyeba ndezo sala ke bandeko msusu bazo bimi kombenga ba pasteur bazan ba intention mabe bazako ko utiliser kobanga na e bazako manipuler bana na nzambe donc papa ali miangai je pense que maloba na ngai masuki voilà merci en tout cas Blaise mon ama donc tout comme na suka émission na biso Y'a les loups, tout le coup de la douka prochainement, vers le bas toujours, prochainement, la prochaine numéro. Donc, il y a des leverages. Merci et à très bientôt.